Petite vidéo rapide comme ça. Alors, me voilà de retour. Alors, pour ceux qui sont abonnés depuis un bout de temps, moi je vous dis, il y a des comptes que je continue à suivre, même si je les regarde peu, parce que je sais qu'ils n'ont pas trop compris ce qui se passait. Donc, un petit peu, je voudrais voir leur réaction quand les bonnes nouvelles vont tomber. Ce qui me concerne, ce sera que des bonnes nouvelles. Et il y a deux comptes que je suis, et donc ils sont à fond sur le stock market aux États-Unis. Et donc, je ne sais pas s'ils ont compris que le stock market il était fermé réellement dans les faits. Que la Fed, c'était plus la Fed et qu'elle est attachée à la trésorerie américaine, okay, avec les conséquences que ça a derrière, c'est-à-dire qu'ils peuvent plus imprimer comme ils voulaient la pépette, okay, même si c'est de manière digitale, numérique. Et donc les deux comptes, là, ils sont en train, ils disent, ah, enfin, moi, pour moi, ils s'affolent dans le sens qu'ils ont fait plusieurs vidéos à la journée pour dire, oui, le stock market, il se passe des trucs, mais il faut pas trop s'inquiéter parce que, donc c'est un petit peu le titre des vidéos. Et là, j'étais en train de penser à un truc. Et là, je spécule. Donc l'idée, c'est que apparemment le bidon, il peut pas, il doit partir. Il peut pas partir avant que qu'il y ait un crash financier aux États-Unis. Donc là, j'étais en train de penser, est-ce que c'est pas l'amorce du crash financier qu'ils vont mettre publiquement, même si le truc il a crashé depuis un bout de temps, qu'ils vont annoncer publiquement. En sachant que le 20 janvier, ça fera un an qu'il aurait été investi dans ses fonctions inaugurées. Et donc, effectivement, moi, je dis dans l'échelle du temps, ouais, d'abord, quelques jours avant, on fait crasher le stock market pour que le tour du vin puisse s'en débarrasser. En sachant que il y a toujours des avions qui tournent au fond de ma tête, sur le fin, sur ma tête toute la journée, toute la sainte journée. En sachant qu'il se passe des trucs à la Maison Blanche, ils ont foutu des barricades encore autour du bâtiment. Donc on se demandait ce qui se passe. Ce qui se passe. Puis il y a une vidéo qui est sortie, là tout le monde se dit ah! Alors ouais, là, il y a un gros porteur qui passe sur ma tête. Alors, moi je suis dans. Aujourd'hui, je suis dans la rue. Donc il y avait un ciel à peu près bleu. Il y a une partie du ciel qui était dégagée. Donc j'ai vu un gros pépère. Un gros porteur qui s'était placé dans le ciel. C'est vrai que j'étais la seule à regarder ce qui se passait dans le ciel. Les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Pas. Pourtant, il y a le bruit du moteur. Les bruits du moteur. Donc avant de. En gros, pas. Et ce que je dis, c'est comme si. Et les bruits du moteur, c'est un petit peu. Je commun le bruit et il y a un délai dans le bruit. C'est-à-dire d'abord, vous voyez l'avion passer et à la fois qu'il est bien passé, là après, vous entendez le bruit du moteur. J'ai remarqué. Parce que j'avais l'habitude de regarder quand je voyais, j'entendais un avion passer, je regardais là où il y avait le bruit et je voyais l'avion. Mais là, non, il faut aller plus loin. Sachant si le bruit il est là. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça va être assez intéressant. Et comme je dis, alors, cette histoire, donc ce procès auprès de la Cour criminelle, enfin, internationale. Donc, qui fait que le Premier ministre, là, le Trude, officiellement, il est censé se faire arrêter, la reine d'Angleterre aussi, patati, les trois papes, Jean-Paul II, le François et le Bénédicte, et le Benoît. Apparemment, il y en a qui disent c'est pour la raison, c'est la raison pour laquelle il a arrêté, il a donné le relais à François, c'est parce qu'effectivement, on était déjà sur son cas. Je sais pas, moi, encore une fois, je suis une chaîne, j'essaye de faire voyager l'information qui voyage pas beaucoup à cause des merdias. Donc, à ce titre, donc normalement, tous les biens, même les laboratoires, donc le PF et puis le. Comment ça s'appelle, le Glaxo, donc normalement, tous les biens sont saisis, partout dans le monde. Donc, c'est pas parce que la décision juridique a été prise. Pour le Canada, je sais pas, voilà. Non, c'est même valable en France. Donc normalement, tous les biens sont saisis. Et normalement, les États, ils doivent aider à l'arrestation de ces gens-là s'ils ne sont pas déjà entre les mains de la justice. C'est ce que je veux dire. Et donc la saisie des biens doit être faite par les États étrangers sur la base qu'on est sur une décision de la Cour de justice internationale. Donc ça me fait rigoler, tous les gens qui disent ah non mais il faut porter le machin et que maintenant il faut se faire injecter et puis que ouais. Puis que maintenant en France il faut que ça soit officiel que les gens ils ont eu un passe-passe toute leur vie. Bref.
Presque. Comme je dis, il n'y a pas à s'inquiéter. Les seules personnes qui ont à s'inquiéter, c'est les gens qui ont voté. Ils vont voir des barreaux. Ils vont terminer leur vie derrière les barreaux, c'est sûr. Pour certains. Puis pour d'autres, ça va leur faire passer la main gauche. Tout dépend du degré de criminalité par rapport aux crimes contre l'humanité et le génocide. C'est ce que je veux dire. Alors moi, je regardais aujourd'hui, donc sur les forums qui font bien Telegram. Donc j'ai vu plusieurs vidéos en Angleterre où il y a des gens qui viennent avec à la fois la décision de justice du mec là, qui a porté plainte dans la ville d'Amosfif et aussi en référence à avec la décision de justice et entre guillemets ils font fermer les centres d'injection. Alors moi je sais pas comment ça va se passer en France. Honnêtement je comprends pas l'issue de la. J'ai pas encore trouvé, j'ai pas trop encore compris la manière dont ça va se terminer. Et je peux pas spéculer trop des masses là. Surtout que là, ils veulent nous donner une élection en mars. Je sais pas à quoi ça sert. C'est les mêmes têtes d'affiche. Je veux bien sortir si les têtes d'affiche sont différentes avec un pédigré qui fasse bien quoi. Attention. Toujours les mêmes. Les mêmes têtes, okay, qui s'amusent, donc c'est du théâtre, quand c'est, voilà. J'étais sur Twitter, il y avait une personne qui était en train d'encenser Mélenchon. Bien que l'autre fois, je vous ai parlé de Mélenchon, je m'en souviens. Mais il faut mettre les choses en perspective. Okay. Faut mettre les choses en perspective. Je regardais un truc sur Martin Luther King. Donc hier, c'était la journée matin de Martin Luther King. Un ton l'affaire un de plus plus ça mais je dis rien alors oui pour résumer la situation et ce n'est pas spéculer mais vous pouvez supputer toutes les personnes qui sont ultra connues aussi bien politique que enfin, célébrité, je veux dire, c'est politique et tout ça, homme d'affaires, ultra connu. Vous pouvez supputer, vous pouvez penser qu'effectivement, ils font partie des poteaux, sans problème. Et vous, pour le citoyen lambda, parce qu'il y en a qu'on connaît, puis il y en a qui connaît pas. Donc les gens qui ont des fortunes immenses, okay, vous pouvez également supputer qu'ils font partie des poteaux. Okay, parce que, comme je vous disais, apparemment, au-dessus d'un. Avoir une fortune au-dessus d'un certain nombre, faut avoir une autorisation. Hein? Et aussi, vous pouvez vous dire que au sein d'une entreprise lambda, ok, les gens qui sont plus haut au plus haut de la sphère, vous pouvez supputer qu'ils font aussi partie des poteaux, d'une manière ou d'une autre. Okay? Alors, en connaissance de cause ou en pas connaissance de cause. C'est le bénéfice du doute. Mais juste ça, pour être je dirais, au haut de la pyramide, ça veut dire qu'il y a déjà une disposition de l'esprit qui est proche de celle des poteaux. Et là, je vais m'arrêter là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.